Au-delà des éleveurs, d'autres usagers de la montagne cohabitent avec les ours. L'exploitation forestière intègre la contrainte ours en reportant des coupes ou en suspendant des opérations lorsqu'une femelle suitée est localisée sur une zone d'exploitation. Ces mesures conservatrices ont très rarement été mobilisées jusqu'à maintenant. Au niveau de la pratique des loisirs de pleine nature, les chasseurs sont les seuls usagers qui peuvent avoir un impact direct sur la population d'ours. En effet, en 8 ans, 2 ours ont été tués lors de rencontres entre une femelle accompagnée de ses oursons et un chasseur. Melba, ours slovène en 1997 en Haute-Garonne, et Canel, dernière ours pyrénéenne en 2004 en Pyrénées-Atlantiques. Afin d'éviter de tels accidents, il est demandé aux chasseurs de reporter les battues aux sangliers lorsqu'une ours suitée est signalée sur une zone, et ce jusqu'à son entrée en tanière. À ce jour, seul le préfet des Pyrénées-Atlantiques intègre ces contraintes dans son arrêté chasse. Chaque année, quelques randonneurs sont amenés à rencontrer un ours, mais selon l'étude réalisée par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, portant sur l'analyse de 495 cas d'observation directe, la présence de l'ours n'induit pas de contraintes particulières à la pratique de la randonnée. L'ours évite la présence de l'homme et s'enfuit lorsqu'il le détecte. Les métiers du tourisme ne sont pas directement concernés par des contraintes liées à la présence de l'ours. Ces dernières concernent plutôt l'aménagement du territoire en zone sensible. A l'inverse, la présence de l'ours dans les Pyrénées semble être perçue comme un atout en termes d'image pour le massif. Dans les pays d'Europe possédant une population d'ours plus importante que celle des Pyrénées, Espagne, Italie, l'image du plantigrade est très largement valorisée et l'observation des animaux en milieu naturel devient un vecteur de développement économique. C'est le cas par exemple dans le parc national des Abruzzes, situé à 150 km de Rome, qui possède une petite station de ski et accueille 2 millions de visiteurs par an. Ce territoire a su faire de la présence de l'ours le symbole d'un environnement préservé et donc d'une destination attractive tant pour les Italiens que pour les touristes internationaux. Une infime partie des visiteurs viennent pour tenter d'y observer les plantigrades, mais pour la majorité, leur présence suffit à rendre cette destination plus attractive car plus authentique. Dans les Pyrénées, seules quelques initiatives, essentiellement portées par des associations de protection de l'environnement, tentent de valoriser la présence de l'ours. C'est le cas du Pédescaoui, fromage fermier produit en estive, en zone de présence des ours, en respectant un cahier des charges qualitatif exigeant, mis en place par le Fonds d'intervention éco-pastorale. Autre initiative, le réseau des professionnels du Pays de l'Ours, qui s'engagent à porter à leur public de l'information sur le plantigrade et pour les opérateurs des activités de pleine nature de respecter une charte de non-dérangement de la faune sauvage. Il apparaît au travers des résultats des différentes enquêtes qui ont été menées tant sur les Pyrénées qu'au niveau national que l'ours est indéniablement un patrimoine naturel national. Mais dans la culture pyrénéenne, l'ours ne serait-il pas plus qu'un simple animal ?